tous et bienvenue sur la chaîne Big Morgan. Je suis Big Morgan et ici c'est ma petite sœur, petite Ellie Shane, sœur de Big Morgan. Et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel unboxing, unpackaging de cartes, de catch. Et on n'a pas fait ça depuis, je sais pas, au moins 3 ans. Au moins. Au moins 4. Plus 4. Comme vous l'ours. Et donc, c'est le Adrénaline XL 2024 de chez Panini, comme les sandwichs. C'est parti. Attends, mais il faut présenter ce qu'il y a dedans, c'est quand même. Aïe, ça, c'est le pack pour démarrer. Voilà. Un classeur de pack pour démarrer. Pour démarrer. Pour démarrer. Là. Truc de livret pour démarrer. Ah ouais, pour cocher les cases. Ah oui, pour cocher les cases. Ah, là aussi, on peut recacher les livres, recacher mais les non, cases. Mais non, ça, c'est celui que tu mets devant, là. Oui, mais tu peux aussi cacher les cases. Oui, oui, mais c'est le... Checklist. C'est la checklist. Voilà, voilà, exact. Et ça, c'est les... Voilà, la couverture, la préface, la machin, et la quatrième de couverture. Et... Trois petits sachets, et petits. Hein. Des petits boosters. Voilà. Il y a combien de... De cartes dans un truc? 18 cartes. Non, 3 soit 18, donc 6. Ouais, comme d'hab quoi. Attends. Seulement 12,99€. Oui. C'est moins cher à l'époque. Oh bah ouais, de ouf. Voilà. Attends, je mets ça là. Hop. Là. Ripley, ils ont fait un front de rien. Rien à Ripley. Rien à Ripley. T'as vu là, comme diamant. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Puisqu'on a aussi ça, une petite boîte avec 24 boosters de 6 cartes, soit beaucoup de cartes. Booster répondre. T'as compris? Oui. T'as vu, tu peux numéroter les... Ah, les cabistous. Ouais, ça c'est bien parce que... Rappelle-toi à l'époque, comment c'était casse-couilles. C'est vrai. Voilà, pour trouver le bon numéro et tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont la blague. Parti ? Attends, parce que du coup, ceux-là, on va les mélanger à ceux-là, tu sais, pour faire la pioche à tous. La pioche à tous. Eh ben oui. Comment ça se trouve cette merde ? On déchire. Une pochette, 2 euros. Donc ça n'a pas trop changé que de l'époque, en fait. C'était, je crois, que c'était 2 euros. C'est moins cher. Non, je crois que c'était 2 euros, bio de tabac. Mais l'inflation, c'est parce que. C'est ça qui est collé. Là. Ouais, mais. Mais un coup de coude. Ça marche pas. Si, c'est parce qu'il disait pas faire le coup de coude. Voilà, ça fait une pliure. Je vais juste mettre un couteau. Ah, mais attends. Y'a pas un truc pour mieux mélanger? Mais donne. Ouais, mais là, on peut pas mélanger correctement. Hein. C'est mélanger. Ouais, voilà. J'aime bien quand c'est plus organisé. Tu commences ou je commence? Boulonneur, jeune homme. Non. Liquid Toys, ouais. Si. Vous êtes devant. Pour moi. Vous êtes pour moi que tu dis. Ok, je triche de pareil. Ah, c'est moi. Vas-y. Je veux. Lui. Oh, par contre, le papier, il est. Ah, c'est, c'est, là où ils, c'est là où ils ont réduit sur le coup, là, je crois. C'est vraiment, c'était un peu plastifié, aluminium dedans. Ouais. Là, c'est du vieux papier pourri. Recyclé. Rien sûr. On dirait du. Tu sais, des paillons carton de merde. Oh, oh, putain. Alors, légende en premier. High Flyer légende. Qui c'est que ça pourrait être? High Flyer légende. Très mystérieux. Tu crois qu'il est en légende? Non, il est encore dans le roster. Marek, parce qu'il y a Marek à côté aussi. Du coup, il faut entendre sa voix. High Flyer légende. Bah, si, il a le fémur, donc ça va être mystérieux. Ah. Moi, je dirais Ricky Steamboat ou Snuka. Ouais. Snuka. Lita. Qui? Lita. Pourquoi ils ont mis Lita High Flyer? Parce qu'elle fait un moonsault. Allez. Bon. High Flyer. Plutôt très à son avantage, en tout cas. High Flyer NXT. Bon, là, il y en a plein.
Axiom. Qui? Axiom. C'est pas un genre dans Harry Potter, ça? Je ne connais pas. Axiom, réaction. C'est un décor. Axiom, vérité. C'est un décor romain autour de Stitch. Oh! Dusty Rhodes. Mister Perfect. En vrai, les cartes sont jolies, quoi. Champion John Cena. Avec la spinner belt. En légende, du coup. Ah ouais. Et Damien Priest, Finn Balor, champion par équipe. En vrai, ils sont belles, par contre. Franchement. En plus, ça hume parce qu'on est en train de faire un barbecue. C'est bien. Avant, c'est qu'on avait chacun. On avait un barbecue à chacun. Ah oui, par contre, pareil. Ah ouais, bah vas-y, on fera ça après. Là, c'est le premier d'échauffement en fait. Technicien SmackDown. Technicien SmackDown, mais. C'est le mec des lumières. Charlotte Flair. Ouais, oui, ça colle, ça colle. Ça colle. Ouf. Carmen Petrovic. Hein? Non, mais je regarde pas NXT actuellement. Tu connais? Fallon Henley. Je regarde pas NXT en ce moment. Regarde, on dit ça à chaque fois qu'il y a NXT. Mike Drop à Raw. Tu sais qui est bon en promo? Ouais, oui, bah, oui. Je suis d'accord. Technicien SmackDown, Angelo Dawkins. Technicien, c'est pourri. Ouais, pourri. J'ai regardé la tenue qu'il avait à SmackDown en plus la dernière fois, elle était vraiment moche. Pas peut-être un peu plus fort. Champion Ilja Dragunov. Ilja Dragunov. Ilja. Il y a Dragon, tu connais? Ouais, oui, c'est... Allez, duel maintenant. Okay. C'est l'heure du duel. Et je mets pas ça, il te voit. Oh là là. T'es prêt? Oui. Moi j'ai Raw High Flyer. Moi j'ai NXT Mike Drop. Ah, moi j'ai Dirty Dominic Mysterio. Moi j'ai Joe Gassi. Ouais, Dominique Egan. Légende, technicien légende. Moi, Mike Drop, légende, Roddy Piper. Mais... un article. Bruno Sammartino. Oh! Deux grands monsieur quand même. Deux grands monsieur. Lui, parce je pense qu'en in-ring, je dirais Piper quand même. C'est pas la même époque. Mais deux grands monsieur. Powerhouse. Ah, c'est des puissants. Powerhouse Raw. Ah. Nia Jax. Oh, j'ai dit Jack. Dijak. Dijak, Jack l'a dit. Technicien à Raw. Mike Drop SmackDown. The Miz. Moi j'ai Chinsuke Nakamura. Ah, moi j'ai Randy Orton. Les deux sont bons, mais Orton, légende quand même. Mike Drop Raw. Powerhouse NXT. Bon backer. Trey Beer Hill. Moi j'ai Becky Lynch, donc c'est Becky Lynch qui gagne. Pas le sous moi Becky Lynch. Ouais bah elle gagne quand même. Trey Beer Hill. Ah j'ai une légende. Voilà, champion NXT. Champion légende. Bah peut-être Bond Breaker du coup. C'est qui? Noam Dar. Ah c'est le mec de celle que j'aime bien. Ouais qui me répond pas d'ailleurs. Si tu passes cette vidéo. Je pense hein. C'est Yokozuna. Ah ouais. C'est Yokozuna. Ça, c'est le Roddy Piper, style. Ouais. D'ailleurs, juste comme ça. Ça, c'est la même que à l'époque. La Heritage Cup à NXT. C'est de la merde. C'est ces trucs où ils ont genre 10 minutes de match. Ouais. Enfin, ça devrait être la Heritage Cup professionnelle à vrai. Ouais, tu t'assois sur le coup, ça va. Oui, bah, et toi non, peut-être. Bah, non. Et Yokozuna aussi, elle est cool. Hein. Oh, ah, j'ai pas vu Yokozuna du coup. Bah, j'avoue, elle est belle. Légende High Flyer. Technicien. Comme le pommier. mais voilà, elle était trop vite là, je sais pas. Ah, Carmen Saitovic. Oh, Divo Dudley. Ouais. Légende, c'est le premier double. High Flyer. Ouais, on le met à part ou pas? Je fais plus tard. Si, Carmen Petrovic. Elle, là. On l'a eu. Ah ouais. Légende High Flyer. Powerhouse Raw.
Molly Holly. Ah ouais. Ouf. Ouais. High Flyer, je crois. Ivar. Légende Mic Drop. Technicien Arrow. Qui, à ton avis? Légende Mic Drop. Ouais. Qui est bon en promo. Steve Austin, The Rock, ouais. Ouais. Tellement. Razor Ramon. Oui, aussi, c'est vrai. Ah, c'est pas le meilleur promo quand même. Ouais, en gros, c'est pas le meilleur. Ludwig Kaiser. Tu sais avec qui il sort, lui? Oui, avec... Tu fais Stratton. Ils vont pas ensemble. D'ailleurs, je suis ami Facebook avec qui fais Stratton. Ah, ouais, d'accord. Voilà, voilà. Ok, pas bien. Voilà. Powerhouse NXT. Powerhouse NXT. Lâche les jambes. Les légendes des sous des cils. Brooks Janssen. J'en sais rien. Faut vraiment regarder NXT, je pense. Non, j'ai un peu essayé NXT hier. À quoi? Champion NXT. À High Flyer à Roux, moi. Moi, j'ai Seth freaking Rollins. Ah, bah oui. À l'époque. Ouais, les anciennes ceintures. Ah, ah, c'est pas encore Tyler Black, là? Non, bah, c'est plus Tyler Black. Ah, c'est plus Tyler Black. Voilà, Akira Tozawa. Oh, ils l'ont pas respecté. C'est-à-dire que ce mec, c'est un putain de catcheur au Japon. Ah, champion légende. Moi aussi, et je me suis fait spoil. Champion Hogan. Légende, ça peut être tellement Hogan. Genre. Hogan. Hogan, aussi. Allez, on va tenter. On va tenter, on va tenter. TK. On va tenter. 1, 2, 3. Oh, Triple H. Moi j'ai Hogan. Hogan. Ah ouais, bien. Oh, tellement. Oh, elle déchire. Elle est trop belle. La Triple H de l'époque, en fait, c'est la spinner. Ah, Hogan, tu vois. Tiens, tiens. Elle est vraiment belle celle-là. Ah, ça m'a fait mal. Elle est vraiment belle. Hein. Ouais. Dans le. Je suis comme un drive si on a un loup. Je vais mettre la viande avant qu'on va aller. Ah putain, je me fais spoil à chaque fois. High Flyer. En fait, vous que j'ai de ce côté. Ah ouais, je sais, mais. High Flyer SmackDown. C'est pas mystérieux, ça peut être. Powerhouse NXT. Ah, Kerry Sane. Baron Corbin. Mic Drop NXT. Technicien Raw. Chad Gable. Ah oui, ok. Lexis King. Ah oui, c'est le fils de Pillman. Ouais. Powerhouse NXT. Mic Drop Raw. Boba Fett. Sami Zayn. Il est pas ici. NXT pour House. Légende Mic Drop. Ah bah Oba Femi. Ah bah voilà. Razor Ramon. Aïe aïe, les doubles ça commence. Technicien légende. Power House SmackDown. Best Félix. Bobby Lashley. Oh, Solo Sikoa. C'est quoi Power House? Et champion NXT. Il y a Dragunov. Ah, Kayden Carter. Non, on l'a eu, mais champion. Ouais, on l'a eu. Ah. Si, on l'a eu. C'est ouf, je suis là, toi. Et okay. On me donne mon bah, toi, je hop là. Et là, il y a des cartes rares ou pas, comme avant? Je sais pas. Ah, ouais. Bon, je suis tellement pas renseigné dessus, en vrai. Je crois pas. Ah, ah. Rob Van Dam. Bah, High Flyer, les gens. Ouais. SmackDown, Half Flyer. Allez, hop, c'est des doubles. Kerry Sane, ouais, double. Powerhouse, Raw. Oh, Raquel Rodriguez. Moi, c'est Ricochet. Oh, t'as vu, attends, Brand Breaker. Ça y est, je suis content. Elle te fait pas penser à quelque chose, cette photo? C'est vrai qu'il est assis, mais la photo, elle est très tournée. Ouais, et ben on dirait la même photo que chez Yann, elle prend de Adamo. Anthony Adamo. Ah oui, Anthony Adamo. Bah, ouais. C'est dans la même prise, en vrai. C'est dans un hein? 450, en vrai. Ouais, bah voilà. Faut suivre voilà, t'attacher chez Photo Chéché sur Instagram. Lola Vis. Lola Vis. Lola Vis. Je sais pas qui c'est. C'est pas bon. C'est NXT, c'est bon. Ah, Solo Sikoa. SmackDown. Bailey. Enfin, Mic Drop, il l'a mis. Du coup, vu que ça fait deux, c'est Solo Sikobé. Duo Sikoa. Ah, c'est mieux. C'est... Oui, bravo. Duo Sikoa. Tu vois, t'avais dit que tu parlais de ce pas l'écran. Et champion NXT. Champion légende. Oh! Oh! Elle est trop belle en plus. Ouais.
Ah, elle est belle en plus, franchement elle est bête. Lyra Valkyria. Ah ouais. Okay. Attends, du coup j'ai pas montré, c'est Undertaker en champion légende. Et franchement, oh, les jambes, elle est belle. Elle est très très belle. T'as tout ça. Ah. Alors, bandage aussi. Rob Fender. Oh là, j'ai fait une bêtise. T'as regardé? Oui, j'ai tout regardé. Raw Power House. Raw. Dominic Mysterio encore. Ah, Drew McIntyre. Ah. iFlyer NXT. Roxanne Perez. SmackDown Power House. Bobby Lashley. Il n'y a pas de, comme à l'époque, il y avait des photos finishers et tout. Ah ouais. Là, il n'y a que les catchers pour les champions. Ouais, ça c'était à l'époque. Non, mais avant, il y avait finisher, il y avait les shows aussi. Je sais pas si tu te rappelles, les objets et tout. Ouais, si, je me rappelle. Ah, Mic Drop Raw The Miz. Mic Drop Légende. Mankind. Ouais, micro c'était pas ouf. Ouais, micro c'était pas ouf. Ça va, mais sans plus. Légende technique. On rappelle juste quand il coupe The Rock là. Ouais. Ça c'est la plus connue, je pense. Bret Hart. Bret Hart. Oh, bien. Putain. Josh Briggs. Et tous les gens qui doivent regarder NXT qui vont me dire. Mais... Légende technicien, Best Phoenix, on l'a déjà vu. Technician Powerhouse. Oh, trop belle. Maga. J'adore. Champion NXT, Charlotte Flair. Oh, ça date un peu, ça. Mm. Champion Raw. Yeah. Finn Balor. Il a le même physique que le Kid Black. C'est ce qu'il dit, le Kid Black, en plus. Ah. Quelques kilos près. Ah ouais, voilà. Ah oui, Charlotte Flair, ça fait une vieille photo. Hein. Bah, d'avoir 10 ans, t'as été championne avec 10 ans, ouais, c'est ça. La tarte, elle est belle. Putain, les charpentes. Ouais. Ouais, les photos, il y en a qui sont vraiment jolies. Ah, bah, McIntyre, du coup, celle aussi, elle est belle. Mais, tiens, d'échange. Bah, tu mènes ? Non. Ouais. JBL. Mais tu sais qu'en vrai, j'aime de plus en plus. Parce qu'en vrai, il est trop fort. Ah, bah oui. En ring, en promo, il était trop fort. Mais tu l'avais hit de malade. Booker, si. De Almighty Bobby Lashley. Bah, Orlando. Trick Williams. Ah oui, c'est lui, je vois un peu. Charlotte Flair. Oups, c'est pas. British Bulldog. Oh, trop fort, j'adore. Il rentre pas dans la carte. Tavion 8. Tavion à qui? High Flyer, Wesley. Il devrait être High Flyer, lui. T'avion. Oui. Ah bah tiens, Katana Chance. C'est l'autre. Ariana Grace. Grace. Bien grasse. Je peux te voir. Elle est pas grande, elle est grasse. T'as compris? À part elle. Oh! Psycho Sid champion. T'as pas compris le live? Si, si, si. Ah, d'accord. Psycho Sid, c'est bien aussi. Hein. D'ailleurs? D'ailleurs, j'ai vu. C'est le Facebook derrière la. Non, non. Mais j'ai vu une photo de Selena Gomez. Alors, t'en fous à rien. Hein. Pourquoi? Mais oui, parce qu'elle est malade. Tu galères. Bah, je suis pas un technicien de. Oh, Chad Gable. On l'a déjà vu. Pourquoi tu t'es stressé? Oui. On veut pas. Merde. Allez, Carmen Petrovic. Ah oui, c'est. Allez. Joe Coffey. C'est la musique que j'ai vu. Oui. Allez. William Regal. Allez. Je joue plus moi. Tiens, c'est d'ailleurs pour toi. Montez Ford. Umaga. Psycho Sid. Champion. Deux fois, ça fait aussi deux. Non, mais elle est trop double. Par contre, j'aime pas le papier. Hein. Parce que c'est du papier en cycle. J'ai du papier cadeau bas de gamme. Tu sais, celui qu'on vole à le faire parce qu'il est gratuit. Là, donc on le vole pas du coup. Bonne question. Ah, non. Suivant la quantité, je pense que ça devient du gel. Baron Corbin. Gigi Dolin en Mic Drop NXT. Ah bah Rey Mysterio enfin. Technicien en gros. JD McDo. McDonald's. La pop.
Scott Steiner. Oh bien. Damon Kemp. Otis. Il fait plus rien, Otis. Bam Bam Bigelow. Oh. Putain, elle est stylée en plus. Elle est belle. Oh, elle est trop belle. Champion Shawn Michaels. Ah ouais. En légende. Légende Powerhouse à Tier Stegen. Bah, Finn Balor, mon champion. Et re-champion en les adjets. Oh, Ultimate Warrior. Ah là, il y a eu des bons. Là, il y a eu des bons, cette série. Ouais, là, il y a eu pas mal. Là. Déjà, il n'y a plus ça. Il y a tout défait. Ouais, mais ça va super vite, hein. Ouais. Là, tu vois les trois celles-là là. Magnifique. La Shawn Michaels, là où qu'elle même la Bam Bam Bigelow. Ouais, ouais. Ah oui, la Marty Carotti. C'est la plus belle même. Scott Steiner. Dusty Rhodes, on a déjà eu. Ah ouais, Dusty Rhodes. Oh, juste derrière, The American Nightmare, Cody Rhodes. On va la mettre encore plus loin. En mic drop, ça va, c'est vrai que. Lexis King. On l'a vu. Ah ouais. Oui. Oh, Ricky the Dragon Steamboat. Elle est trop belle. Bobby Lashley, on l'a vu. Maltese. Nathan Fraser. Oh, Ted DiBiase. Oh, j'ai un gros deck là. Ouais, les gens que les gens passent. Beth Phoenix, on l'a eu. Ariana Grace, on l'a vu. Allez. Et Dragon Lee champion. Bien, ça va. Si on va un peu aussi, quoi. Ouais. Tu comprends, tu vas mettre pas des vies. Oh bah, je vais faire mettre des vies, hein. Parce que c'est trop marrant. Les gens ils savent pas. Et... Joe Kofi. Ou T, ça dépend. Giovanni Vinci. Lâche légende. Oui, je te l'ai dit tout à l'heure. On dirait Tamina un peu. Dilo Brown. Oh, Rick Steiner. C'est bon, on a les deux. Jake the Snake Roberts. Kevin Nash. Kane. Oh. Angelo Dawkins. Merde. Vader. Oh, Rhea Ripley championne. Attends, elle te dit ça là, Vader et tout elle. Mais c'est pas... Vader et 3. Lyria Valkyria, on l'a déjà eu. Ouais, pas, pas mal. Plus ça. Oui, il y a plus ça. Genre en racheter, hein. Bah ouais. Avec la YouTube modèle. Bah ouais. D'ailleurs, abonnez-vous parce que peut-être qu'on fera gagner les loups là. Ouais, c'est vrai. Mais pas peut-être, là, allez, peut-être que si vous abonnez, ouais, peut-être que vous commentez, ouais, que vous abonnez à mon Instagram, ouais, à mon YouTube, ouais, à mon Gmail, à son Instagram de Glouglou, voilà, à son TikTok de Glouglou. Exactement. Peut-être, peut-être, hein, que vous aurez une chance à gagner soit un double, soit les papiers d'emballage. Ça, c'est le Nicki Minaj. Déjà, il faut les 9 places dans le carnet pour mettre son gros cul là. Oh, Santos Escobar. Electra Lopez. Carmelo Hayes. Ah oui, okay, Hayes. Bronco Nima. Je sais pas, on dirait un truc de pour la bronchiole. Grayson Waller. Ah, c'est ton préféré ça. Non. Oh, The Iron Sheik. Mon préféré. Grayson Waller, c'est le préféré d'Amérique. Ah. Kurt Angle. Oh. Oh. Trop mignon. Enfin, bon, pas là sur la photo, mais en vrai, il est trop mignon. Ouais. Tu veux le même coup? Ouais. Oh, Rikishi. Ah bah tiens. Tiffany. Scrotum. Ilya Dragunov, champion pour la 8e fois. Ça va le faire pour la 10e fois. Oh, Batista champion. Ah, avec la big gold. Ça, je suis content, ça. Quand il a vu le petit tri comme ça, là. Et percé gros. Non, le tatouage en vrai. Pas centré, en plus. Il est pas très... comme... Coup dur. Et pas que celui... Oui, mais... Celui de l'autre, là, l'air. C'est vrai qu'il est centré. Son cerveau est pas centré. Elle va faire des vues de 30 secondes. J'avais été grand espace dans quel autre là. Oh putain. T'as vu que d'ailleurs l'autre de... Ah bah tiens, en parlant de sacré numéro, j'ai Hurricane. T'as eu qui? Bah trop bien Hurricane.
essaye, allez, moi on part sur les doubles. Eddie Thorpe. On y va se faire. C'est dernier. Ah, China. Ah, bien. Bubari Dudley. Ah, voilà, on a les deux. C'est pour toi ça. Ouais. Bray Wyatt. Nikita Lyons. Akira Tozawa. Dragon Lee champion. Le Triple H champion, la Jay. Et du coup, c'est la dernière. L'ultime. Attends, ça va être une merde. On l'a pas. Ah. Champion, quelqu'un. Ah, quoi que si on l'a en fait. En légende. Là, c'est John Cena, champion. On l'a eu au tout début. Il est là. Il y en a plus. Ouais. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager à tout ça. Et faire deux fois même. Ouais, parce que si vous voulez une deuxième vidéo, il va falloir se bouger le fion parce que là, il y a plus personne qui regarde les vidéos et on vous voit. Hein. C'est ça. Voilà. Alors n'hésitez pas, et puis si ça vous plaît, on ouvrira d'autres cartes. Et si ça vous plaît pas, on en ouvrira quand même. C'est vrai. De toute façon. C'est vrai parce qu'on rigole un petit peu quand même. Likez pas, faites ce que vous voulez, mais... Mais du coup, j'ai trouvé, est-ce que ça vous intéresserait que j'ouvre des cartes pas de catch? Genre des catch de foot? Non, mais... Genre, enfin, il y a quand même d'autres trucs de catch que j'ai trouvé. Il y a AEW que j'ai trouvé, alors je vais pas doubler, c'est pas grave. Mais par exemple, il y avait des cartes Batman, des trucs comme ça, est-ce que ça vous intéresse? Non. Sur ce, portez-vous bien. Non, attends, on va inciter les gens à mettre des commentaires quand même. Quelle carte vous auriez aimé avoir? Quel est ton catcheur préféré? Quelle carte t'as préféré avoir? De quelle carte t'es le plus content d'avoir? En vrai, la Undertaker champion, elle est belle. Hein. Et la Batista champion et la Shawn Michaels champion, je dirais. En top 3, tu vois. C'est dans la 2. Et toi, quelqu'un? Quoi que la Umaga, je viens de voir que je peux la garder. Ouais, c'est vrai. Bonne Breaker aussi. Quel est ton catcheur préféré dans tous ceux qu'on a dit? Voilà. Aussi, il est bien. Et amusez-vous à essayer de trouver ce qui vous parle à la place des bips et mettez-nous des commentaires. Voilà. Quel est ton plat préféré? Ouais. Et note ta pointure en commentaire. Ouais. Et aussi. Si jamais t'as des plus grands yep que lui, on t'offre un petit bout de papier peut-être. Une chaussette. Je t'offre une paire de chaussettes. Portée, hein. Oui. Le kiosque, tu vends tes chaussettes. Ça ressemble pareil. Peut-être. Qui sait. En tout cas, voilà. Par contre, pourquoi il y a XL? Je vois. Ouais, ah, mais c'est la semaine à XL là. 40, non, je sais pas. 40, ça dit pas XL. Oui, mais eux ils l'ont fait XL là. Ah bon? Ouais. Putain, elle est bien faite celle-là. Bref, sur ce, portez-vous bien, bisous et ciao. Et si vous êtes encore là après tout ça, marquez votre marque d'eau plate préférée. C'est par une transition pour la prochaine vidéo. Personnellement, moi c'est cristalline. Moi c'est Monster. En vrai, cristalline. C'est du robinet. Bah ça dépend quel robinet. Bah moi... Bois du l'eau du robinet à Marseille, je te jure que... Ouais. Voilà. Alors que la cristalline, tu peux l'avoir à Marseille comme... L'eau du robinet en Islande parce qu'elle sentait le thé mais elle était super bonne. Donc voilà, c'est un petit easter egg, tu vois. Tu sens qu'elle sent le poutre. En plus, elle est opaque, donc c'est easter egg. Allez, c'est bon. Clap de fin. Au revoir.